Moi, je crois beaucoup à la pharmacie du futur comme lieu interactif d'information, de comparaison et d'objectivité. Comme à la Cité des sciences, on peut cliquer sur des quantités d'écrans pour apprendre des choses. Je pense que la pharmacie du futur sera un lieu physique, mais en même temps incroyablement interactif. Tous nos développements qui utilisent le maximum de ce que l'on peut utiliser en technologie sont faits pour faire en sorte de rendre le système plus efficace, plus efficient et de faire en sorte que la prise en charge du patient soit meilleure. J'ai un bon regard sur ces objets codecs, à condition que les résultats et les informations qu'ils donnent puissent être présentés de manière simple sur un tableau de bord santé personnalisé. Alors maman, je te montre. Tu vois, ça, c'est un boîtier intelligent, c'est inscrit. Il y a des capteurs placés partout chez toi qui analysent en permanence tout ce qui se passe. Des rapports sont envoyés à tes proches et s'il y a une anomalie, la plateforme de téléassistance est alertée tout de suite. Et tu vois, maman, grâce à ça, les seniors peuvent rester beaucoup plus longtemps chez eux. Nous sommes en train, n'ayons pas peur des mots, de changer le type d'humanité. Dans les 50 ans, les 100 ans qui viennent, l'humanité aura changé.